Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo V-Bucks gratuit les gars, donc ce n'est pas fake, voilà. Donc il n'y a pas eu de communiqué de la part de Fortnite, mais on peut bel et bien obtenir des V-Bucks gratuits pour toutes les plateformes les gars. Donc pour ce faire, je vous ai mis le lien en description, donc ce sera tout simplement un petit lien où il faudra cliquer. Donc juste ici, voilà, je vous ai mis le lien en description, donc vous allez en description, vous cliquez sur le petit lien. Normalement, ça vous connecte automatiquement à votre compte Epic Games. Si ce n'est pas le cas, ça vous propose tout simplement de rejoindre le petit événement, vous faites rejoindre, ça vous connecte automatiquement, et ensuite tout simplement pour avoir ces V-Bucks gratuits, il faudra accomplir certains objectifs en solo, duo ou squad les gars. Et du coup tout simplement on a l'aventure à commencer, passer à la finale, devenez le meilleur et gagner des récompenses. Donc là vous allez voir, en gros chaque jour vous allez avoir tout simplement des petites quêtes à faire. Par exemple là il faudra tout simplement, par exemple là il faudra jouer tout simplement 60 minutes dans n'importe quel mode de jeu, donc duo, solo ou squad. Et pour le deuxième défi, on nous demande tout simplement de faire un top 6 une seule fois en squad. Donc ça c'est les défis du premier jour, du jour 1. Vous allez voir qu'il y a en tout 3 ou 4 jours, donc c'est indiqué juste en dessous. Donc voilà, temps restant pour ce petit tournoi, 3 jours, 13 heures et 26 minutes. Donc en gros les gars, à partir d'aujourd'hui, vous avez en tout 3 jours pour faire des petits défis quotidiens. Donc chaque jour, vous allez avoir un nouveau défi quotidien. Donc en tout, il y en a 4. Donc là, on peut le voir, premier défi, donc jour 1, donc les défis d'aujourd'hui. Ensuite, on aura les défis de demain, etc. jusqu'au défi du jour 4. Donc pour ceux qui se demandent, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on avait des V-Bucks? Et bien regardez tout simplement les gars, là on voit bien récompense pour les meilleurs joueurs. Atteignez la première place à la cinquième place. Si vous êtes entre premier et cinquième, vous obtiendrez entre 1500 et 2500 V-Bucks, donc ce qui est vraiment pas rien. Donc là il y a bien marqué relever le défi final pour être classé parmi les meilleurs. Ensuite si vous allez à la suite, vous avez tout simplement la sixième et 500e place du classement, qui vous permettront de remporter entre 500 et 1250 V-Bucks. Donc là, pareil, relevez le défi final pour être classé. Ensuite, vous avez les récompenses pour les DIN. Donc si vous atteignez entre la 6e et 500e place du classement, vous obtiendrez entre 500 et 1250 V-Bucks. Vous avez une récompense donc pour persistant. Atteignez la 500e place à la 20 000e place du classement et obtenez entre 200 et 300 V-Bucks. Donc là, on le voit bien, il faudra vraiment bien vous classer pour obtenir un maximum de V-Bucks. Mais déjà, si vous jouez juste et que vous faites tous les défis, que vous arrivez à vous classer parmi, on va dire, les 20 000, vous avez entre 200 et 300 V-Bucks. Donc ça, c'est toujours ça de prix, c'est toujours des V-Bucks gratuits. Et enfin, on a le spray récompense bien mérité, atteindre le défi final pour obtenir le spray Cab Lama. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le défi final, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est les petits défis à faire ici. Donc là, chaque jour, vous allez avoir deux défis, voilà, juste ici. Demain, il y aura de nouveau deux défis. Vous faites tous les défis jusqu'au petit drapeau juste ici et vous obtiendrez le petit spray Lama. Et si vous êtes bien classé, comme je vous ai dit, vous pouvez obtenir jusqu'à 2500 V-Bucks gratuitement, les gars. Donc voilà pour la petite info. Il n'y a pas eu de communiqué de Fortnite officiel. Voilà, ils n'en ont pas parlé, donc aucune idée de pourquoi ils nous ont rien dit sur ça. Peut-être qu'on va avoir dans les actualités de Fortnite prochainement une petite info, une petite annonce. Mais en tout cas, actuellement, on n'a rien. Donc voilà, les gars, vous sachez que vous pouvez participer. Voilà, c'est un truc officiel de Fortnite, donc franchement je sais pas pourquoi ils ont pas fait de communiqué. Pour les personnes qui aimeraient savoir leur classement, ce sera totalement possible, mais pas tout de suite du coup. Le classement sera disponible le 22 août à partir de 10h les gars, donc revenez le 22 août à 10h pour voir votre classement. Comme je vous ai dit, finissez d'abord les défis tout simplement quotidien qu'il va y avoir chaque jour. Ensuite, vous venez le 22 août tout simplement pour voir votre classement. Et si vous êtes bien classé à la fin du défi, à la fin de cet événement, vous pourrez obtenir tout simplement des V-Bucks gratuits. Sur ce, les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. À plus et à la prochaine.